Chocho, vous êtes sur le Paquet Blog et c'est la review E3 de la journée. Chocho à poil les culs. Bienvenue dans cette seconde vidéo review de l'E3. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la conférence d'Electronic Arts avec au programme des explosions, des hélicoptères et des explosions. C'est reparti pour le syndrome Resident Evil avec cette fois une licence d'Electronic Arts du coup, Dead Space. Bon, je suis un petit peu mauvaise langue parce que c'est vrai que c'est quand même pas trop mal. Le mode co-op, pouvoir jouer avec son pote, se faire dévorer par des monstres gigantesques, être dans les sucs gastriques comme ça, ils se battent, essayer de s'enfuir dans l'estomac. Ils ont annoncé un nouveau Lost Planet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est oui, c'est quoi? Non, parce que c'est vrai que c'est un peu... N'insistez pas, je vous ai dit que je ne connais pas ce sport. Allez-vous-en. Ah, parce que Farmville, c'était pas assez, peut-être? Vous voulez quoi? Vous voulez tous nous rendre fous? Avec vos conneries de jeux sociaux, là? Hein? Construire des bâtiments. Oh là là, mes amis, ils se font des maisons. Et de... pas calme, ça va aller. Ouais. Non, mais ils nous énervent, là. Non. Ouais, ça va. Ah, SimCity. Tant d'heures de jeu passé sur Super Nintendo à construire sa ville. Eh bien, il revient enfin. Donc, pareil, construction de ville, tout ça, avec pas mal de features plutôt sympas. Et surtout, il y a toujours Godzilla. Et ça, c'est bien. Mais pourquoi tu veux construire une ville à Sim? Il est mort depuis 3 ans. Mega Van. Pas qu'on a un problème avec les quotas, il demande beaucoup trop d'explosions. Ah, attends. Ok, merci. Oh, attends, pendant que t'es là, je t'ai déjà montré comment je faisais trop bien la bande originale de Battlefield. T'as déjà remarqué qu'à l'envers, Star Wars Old Republic, ça fait Sibuper Glossrorat. Ça veut rien dire. Non, je sais, mais j'avais vraiment rien à dire sur le DLC d'un jeu que je connais pas. Et en fait, le retour de Max Payne, je pense que ça a dû vachement inspirer les développeurs parce qu'ils font tous des séquences de tir en slow motion comme ça. Non, en fait, c'est que c'est les 60 ans d'Eric et ils lui rendent hommage. Ah, what? Bon, j'ai déjà un peu trollé sur ce jeu hier, donc on va essayer d'être un peu plus objectif aujourd'hui. Donc FIFA 13, pas mal de nouveautés. Tu peux faire des passes, taper dans un ballon, courir, faire un hors-jeu et surtout, nouveauté, marquer des buts. Marquer des buts! Ouais, enfin, c'est un jeu de foot, quoi. Voilà. Oui. So, for those of you that don't know, the UFC is not only the fastest growing sport in this country, but in the world. Oui, monsieur. 175 countries, 22 different languages. Mais je vais l'acheter, votre jeu. And over a half a billion homes worldwide that we're in. Now all these people will now finally be able to get the UFC video game. J'adore le Free Fight. Thank you, everybody. Here it comes, fans. This is a big one. Finally, EA Sports. C'est bon, il est parti. Ouais, c'est bon. Encore un jeu de voiture. Bon, bah, pareil, hein. Des belles voitures, blablabla. Des courses, blablabla. Des beaux décors, blablabla. Mais il me semble qu'on peut revenir sur un petit point qui m'a paru assez important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il était bourré, le mec des caméras, ou quoi? Alors, il n'y a pas à chier pour un beau pam-pam-boum-boum. C'est un beau pam-pam-boum-boum, avec tous les clichés de cette E3 2012. Des arcs, des hélicoptères... Mega Van. Et pour terminer cette vidéo review de la conférence Electronic Arts, nous allons joindre notre contact sur Los Angeles. John, vous me recevez? Eh oui, Paca! Je suis en direct de Los Angeles! Oui, si, c'est trop la folie! Wouh! Alors, je vais interviewer Michael, qui travaille ici sur le salon de l'E3. Alors, Michael, bonjour! Qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence Electronic Arts? Je suis balayeur, en fait. Excellent! Wow, amazing! Et quel a été votre jeu que vous avez préféré? C'est ça que vous faites? C'est ça le bordel? Ah! Vous faites quoi comme jeu?
Ok, excellent, c'est super! Paca, on se retrouve demain pour une nouvelle envoyée spéciale. Et promis, demain, j'arrête la cocaïne! Ok, merci John pour cette interview plutôt enrichissante. La review de la conférence Electronic Arts est maintenant terminée. On se retrouve demain pour la review de la conférence Ubisoft, qui, tout corporatisme mis de côté bien sûr, a plutôt tout déchiré. À demain! Putain, Paca, truc de fou, regarde, qu'est-ce qui se passe? Tu prends Dead Space 3, ouais. Crysis 3, ouais. Battlefield 3, ouais. Ça fait 9. Ouais. Tu mets l'envers, tu mets 3 fois, ça fait 666. Le chiffre du diable! Oui! Ah mon dieu! Oh non!